peut-être pour aider à trouver des pépites, en dehors de ce que nous nous faisons et qui est gratuit, je peux vous conseiller un outil qui s'appelle DeckScreener, qui est très intéressant. Vous n'aurez pas d'abonnement à payer chez nous ni à qui que ce soit, mais vous êtes là pour avoir aussi, nous aussi, vous donner des pépites. Et il est intéressant, attention, de rechercher dans la partie Customize Filter, vous pouvez choisir des specs très très simples qui vous permettra de trouver des futures pépites. Attention là-dessus, définissez immédiatement ce qu'on estime être une pépite. Est-ce que c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, etc., etc. Sachez que vous pouvez avoir une perte totale ou partielle. C'est une mise en garde, on n'est pas des conseillers en investissement dans ce qu'on fait, mais on essaie de vous donner les outils. Et choisissez par exemple la liquidity un minimum à 10 000 à 100 000. Vous avez d'autres choses que vous pouvez régler, comme par exemple, je me suis noté ici le FDV, c'est des mots barbares, et c'est essayer de choisir une total supply par exemple qui dépasse au moins les 30 000 à 300 000. Et ça vous permettra aussi bien sur la chaîne Solana que sur la chaîne Ton, et bien de trouver des pépites qui sont en train d'émerger et qui sont en train aujourd'hui de naître. Allez vérifier les sites, allez vérifier les Twitter, comme on vous l'a dit, et bien sûr LinkedIn, les réseaux sociaux, comment ils sont en train d'évoluer. Est-ce que c'est un projet qui est sérieux? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui leur faire confiance? Faites vos propres recherches. Il est extrêmement important de comprendre qu'à partir du moment où vous voulez trouver des pépites, eh bien les pépites ne vont pas venir dans votre main tout de suite. Ou alors, ben vous payez un abonnement, il y a des gens qui l'ont fait pour vous, et dans ce niveau-là, peut-être eh bien vous allez avoir des pépites, mais qui n'annulent pas le risque potentiel de perte partielle ou totale de vos gains.